Bon bagay Haïti Media on yo, moun nan commune Kafou, c'est Massufé qui a monté. Ça fait quelque temps là depuis chef gang Chris là, li imposé nan commune là à Togid Edouard Pierre qui c'est magistrat commune là, mais c'est pas gen libre accès pour le sikile. Bral bon tout détail sur ça, mais avant, bon mande avec moun nou kap yo. Moun anm yo, en comme si là, jan nou kanpe a là, c'est tande n pa tande ou bien comprendre nou pa comprendre. Gagné Mackinson NBS un bon samaritain qui gagne 14 là ni cap aider moun nan pays d'Haïti presque tout côté net nan 10 départements mais plus moun y aider c'est moun au cap le fait que on prend un hôtel qui pote nan hôtel Satama qui pour un paquet milat yo entrent dans la caili yo casser coffre fol yo prend un paquet là je l'aime dire entre la caili nan chambre qu'il était loué nan hôtel là comprend bien qui gon coffre fort. Eh bien, comme yo gen yon clé de réserve, yo tenel pa la, yo rentre, yo pren tout ça qu'il te gagné, l'argent américain, l'argent good, comprenez bien, malgré yo force monsieur sous menace qui te pays a, li fait plusieurs interventions sous page parle, li parle nan Giwewe radio a, en comme si n'pa tande, au cap la kayam, nou pa tande ça même. A dit n'a prêté là jusqu'à ce que dossier sale brè l'huile, m'pa kwè ça. Parce qu'on n'est pas qu'à faire tout effort pendant 14 l'année, juste pour aider, voir comment pour aider l'autre monde, et puis pour tout comme ça, on fait fond dans l'hôtel négla et pas à descendre, c'est payer pour dormir dans l'hôtel là, et se reprendre en raison sécurité, et puis c'est comme ça au hôtel, ah, mon cap nous gagne sous nous. Bon, attendez non, Chris là, monsieur mettez en mètre kafou. Là, me dit mètre kafou, c'est pas de cap grien, parce que en pile monde qui moi contacté. Il y a un pile moun tout qui voye message pour moi pour dire mon cher ça y a qu'on est actuellement dans Kafou li pa jam comme ça ça gen quelques mois depuis Omega commissariat Omega li pa gen aucun policier là-dedans ça gen quelques temps antenne police là vide moun nan Kafou yo fè m konnen là se reprendre yo pa jam moi sacré les policiers ak G nan commune là et actuellement là Jide Edouard Pierre li même bon côté pa li nan Maron. M'a dit nous mes chers amis, mouché Chris là, monsieur installé un paquet soldat dans divers points. Ou kon kafou en pile, depuis ce côté monsieur qui c'est zone stratégique pour lui, li mette un soldat chef pour ka gen contrôle tout ça qu'a fait tout ce qui va arriver qu'a fait dans commune Kafou. Ben moun ki prend risque pour al travail parce que gen moun ki vivent au jour le jour. Il a fouté ensemble avec gros gang, ou bien gros gal, il pendu dans deux gang là, ou bien dans l'estomac li. Et se reprenne gang là, chita boue clire, il a joué domino, il a valé taf ya yo, moun paisible yo, moun qui t'a supposé, moun capable de vivre paisiblement yo, moun honnête yo, yo même yo sous choc. C'est comme ça, situation li même liye au niveau des communes Kafou. Et jusqu'à présent, m'a dit nous, si commune Kafou rive dans sa li là, c'est faute, premièrement, magistrat Jide Edouard Pierre. Et c'est faute, mes chers amis, on série de policiers qui te mouté en team qui se team caravane, team 60. C'est policiers, oui, qui te là dans le vrai. Mais quatre nègres qui après le branché, ils après le armé, on série de l'autre petit jeune qui pas gagné rien pour ensemble avec la police. Mettez les armes dans jusqu'à ce qu'il y fait acquaintance avec chef gang Chris là, pour yon camper en face nègre, iso nègre, ti la plio. Et puis sortant de là, maintenant qui ça, comme une kafou li même li tombe. Bon. En tout cas, si vous même qui fait affaire yo, il a dégagé yo, il a konn comment parce que les petits moun nan mande gon bouchou, pa gen ou pa bon ou obligé la gil nan déplamel kit la souffle kit la boulé, plamen affecté gadel. Ay jounen jodi a, si pa gen si tire, pa ka gen volé, Jide Edouard Pierre au lieu pour te parler, monter sur radio, on prend pour faire message à passer, il était obligé servi comme drap blanc pour te couvrir nèg caravane. Jounen jodi a, même cause caravane ça, li bay sak gen la nan kafoua. Li bay kozi Mariani jounen jodi a ki pedi a, est-ce que comprendre? Et la trier. Bon, on kite ça, kite m di nou, m'pense nan émission précédente ki m fait concernant opération ki la police tap tan men en bas nan zone Badelma, côté mouché barbecue a mettre reprise monsieur couri, mais on li replier, mais après ça nous connaît le compte boumé, li retourne encore, monsieur fait un paquet vidéo là, bon, on vidéo puis un paquet audio puisque le bon forum. Mes amis, m'pense que nous t'étendé dans émission précédente nan ça que mouché a tap di, moi même ça celle ça que moi même moi ka ba nou comme conseil, m'a parlé là pour population civile là. Population qui pas même gagne un bon bout de bâton qui est dans main yo, celle ça qui m'a capable dit nous veille en haut veille en bas, so pas gagne tout on bagaille important parce que ça pour gérer dans Badelma
éviter passer par Delma pour moment parce que monsieur Gueto fait qu'on est là, il tendait que UTAG avec diverses unités spécialisées, il y a un plan pour yo lever Delma 6, l'aime dit lever, écraser des bicé qui en dans Delma 6 d'ailleurs, yo commencé déjà, comprend bien, il dit monsieur fait qu'on est si yo écraser Delma 6 dans mel, l'a descendre bas Delma depuis ces gros business qui gagnait, l'a écraser tout et en pile moun a mouri. Et une bagaille qui est important avant ça arriver là, m'a rappelé nous on vidéo qui m'était fait côté chef gang barbecue, li acheté un stock manchette pour la bay pour la distribuer bay moun niyo nan Delma 6, c'est-à-dire ça qu'a prétendre police là c'est pas de cap gen si nèg yo a fait que yo fait une fois pour toutes. Et mouche barbecue cementé la fait nèg yo crier une semaine qui s'est passé là mon grand commencement semaine nan même gen l'ambo sans jumen qui t'ai mette en vidéo dehors pour le dire l'envie manger vient policier ak banane, c'est-à-dire c'est un gros gars qui déclaré là et gars ça moi même t'ap senti au moins m'gain espoir si force multinationale a ta tout dit la débarquer dans moment sans nous chaud là on bon dans moment cap la chose c'est tout battu est-ce que comprendre c'est ça qu'il t'a supposé y mais pas oublier l'on parle de barbecue où est son nèg qui pas manger rien qui frette son criminel dernier état et malheureusement son ancien policier li konn pi fort tactique au moins que pour la police employé dans cadre opération yo c'est ça que fait moi même m'a souhaité que ti monsieur Utagio l'autre unité spécialisée qui gagne pour participer dans opération ça pour essayer tirer en sorte de revanche pour trois policiers Utag qui perdit yo qui tombé dans façon tragique ça m'a seulement dit non pas précipiter ça n'a fait utiliser sens du professionnalisme fait ça n'a fait avec éthique fait avec bon gens technique et tactique sinon pour ne pas créer on l'autre 12 mars 2021 parce que mouche barbecue ou mettant de toute bagaille pour l'été Genève et des charges ensemble avec soldats et pas m'a fait nous non ça m'a dit attendez m'a comprendre l'LTG 9 était chargé ensemble avec soldats pas vrai mais qu'on y a son question de vivre ensemble en question de poisson crasé dans bouillon négligé en face qui était dans JP yo tout rejoindre qu'on y a là il dit quand t'as pour soldat mais c'est bien soldat nèg belle ou tout qui était comme groupe ensemble avec yo nèg yo comprendre qu'à rejoindre dans cadre bataille affrontement qu'il a bien pour le faire ensemble avec la police en ce sens il est vraiment important intéressant pour gens que nous pourrions déployer en dans Delma 6 là pour nous comment pour nous faire et puis nèg tout près Delma 6 étape importante tout monsieur pour nous tout bailler en rendement parce que nous qui s'y tire chef gang barbecue parce que Delma 6 pas gain l'autre petit cache-cache bien série libre vrai non comprendre c'est nous kembe mouche en dedans a dit aussi ton lever camper nous c'est quel pas gain côté le cafon est-ce que vous comprenez ça m'dou pour le taf dans Delma 10 entre sans fil quand c'est là que même j'en ai été fait bailler t'es trop chaud pour vous en pile là de te gitan pour aller dans maya comprenez bien mais si nous sait que nèg mette ou dans mitan dans tour yo y a tout fait sans doute là oui est-ce que vous comprenez en tout cas j'en entendais assez ça bagay yo compliqué mais l'autre détail que m'gen pour nous là c'est pas même en Haïti m'bral dit nous là c'est aux États-Unis que m'a monté là côté gon haïtien qui c'est Jean Wisner Pierre Louis. C'est gain 52 l'année, se comprendre malheureusement pour fraude, yo arrêté monsieur, yo jugé et en même temps condamné pour le passer 2 ans 6 mois dans prison aux États-Unis d'Amérique et li gain pour le payer 4 millions de dollars. Et pour qui causer, on va le saisir dans de là parce qu'il grand pile haïtien qui rive aux États-Unis, beaucoup même grand pile temps non, yo entré dans logique mes chers amis qui c'est venir ranger crédit. Des pourtant des venir ranger crédit, venir ceci, venir cela qui te me fait crédit à pour ou et puis sortant de yo tout yo pote bourré et puis c'est laisse ça on va le prendre en pic en coin là, on va le prendre non coup pas comprendre. Et ben détail que me gagner information que moi gagner dans bon timamite, monsieur ça qui c'est Jean Wisner Pierre Luya qui gagne 52 l'année, monsieur yo prend comme un complice parce qu'il était participé dans fraude ça. On va regarder même gagner note là devant j'aime là, bamba plus raffiné. OK, Jean Wisner Pierre Louis qui gagne 52 ans, monsieur qui a vive Miami, Florida, il condamné pour passer 2 ans, 6 mois des barreaux, suivi on bon et puis il gagne pour payer toi avec dit, suivi d'une année de liberté suivi. A dit monsieur t'as supposé gagner une année libre là, il a suivi la dit mettre bail dans pied, l'elfin prend 2 ans 6 mois prison ça, il a libéré et puis il a metté on suivi en soumission déplacement à limité. Comprenez-moi et puis il a gagné pour payer encore 4 millions de dollars américains. Pour qui ça? C'est parce que monsieur était aidé et en même temps assisté avec une préparation et présentation de fausses déclarations d'impôts sur le revenu. T'as dit bien oui? A dit c'est même cause vinn fait taxe, vinn fait taxe ou vinn ranger crédit, vinn ranger crédit et même cause ya. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, yo joine yo découvri
que tout ça gen une association malfaite qui rentre nan fait fausse déclaration impôt sur le revenu, eh bien gen un nèg yo te gen arrêté déjà. Est-ce que comprendre quoi yo te prend monsieur parce que un nèg yo dit monsieur l'auto yo te prend son certain de Pierre lui qui te gen yon entreprise comprendre qu'a préparé et déclaré fiscal li la entreprise c'est une entreprise de préparation de déclaration fiscale qui donc en 2015 et 2019 Pierre lui ça li préparé des déclarations de revenus pour plusieurs clients. On bon et client ça yo c'est bail faux seulement qu'il ba yo on bon tout ça grave avec crédit yo faux et puis garder ouais moun yo crédit a augmenté on bon certain crédit a augmenté montant on remboursement paquet bagaille un paquet causé par aller là est-ce que comprendre et bien yo te gen prend monsieur et bien tout ça il était en connivence avec Wisney Pierre lui ça comprendre bien journée jodi a qui condamné et bien tout ça c'est youn nan bénéficiaire yo tout a dit ou même qui nan causé ba fait aldi ba mal gérer taxe mais vinn fait vinn ranger crédit vinn ba gérer taxe et pour on agent k'ap ba menti pour les gouvernement bien la justice américaine découvre ces fautes qui t'a fait non seulement y a maré moun ou t'es payé pour causer crédit là pour causer taxe soit et l'autre bagarre encore qui est important ou même toi a prend code parce que oui snap y a du prend code là c'est parce qu'elle t'est youn nan bénéficiaire yo elle t'est comprendre ça qu'a fait là elle t'est connaissé mentor ces fausses déclarations impossible revenu yo t'a fait pour lui vous tenez ça me dit bien en pile haïtien même pas d'ba information ça non même obligé ba lui parce que moi grand pile haïtien qui rentre dans logique ça on va gagner yo les mettre crédit ya est-ce que comprendre les gars fait crier dans pays moun yo oui il tellement moun gen temps comprendre système là dans fait fraude il fait les mettre crédit n'a gen temps connait et pa Biden bien OK bon j'entendais assez ça malavet si patouye kokobé li fait kokobé marché boité li important intéressant mes chers amis au moins j'en des information ça ou même captain dim là parce que même si John t'a dit nous citer dans bail ça il dit moi mais comme ça mieux m'pas pas chercher compte ensemble avec monde c'est information qui m'a ba nous qui donc kit li fort bien kit li fort mal ça pourtant dire ça pour connait ou pas connait non pas c'est une grande chose de voir information important intéressant ou même captain dim là au numéro de téléphone déjà c'est +1 809 786 81 20 +1 809 786 81 20 c'est numéro sur capable écrit à travers WhatsApp pour yon doléance ou bien yon promotion visibilité ou besoin sur plateforme là aucun problème nous ka parler nous négocier et puis si nous tombe à plomb ou ap joine belle là et puis pas oublier tout dans date cap 15 juin pas jamais oublier date ça 15 juin c'est pral un gros bout de tonton et rendez-vous pour tout le monde qui dans New Jersey côté compagnie Atomia pour organiser un gros séminaire dans local Asian Evangelical Church qui trouve dans 2030 John Kennedy Boulevard dans Jersey City sur 7305 à 7 dans après-midi et pour venir dans séminaire ça la coûte $20 mais si vous voulez intégrer compagnie Atomia pour venir faire business intégration c'est gratis ti chéri et bien a petit bob de Nazareth ou a besoin de manger pour manger vendre des boutonnets d'ailleurs dans moment ça le fait chaud en pile côté miel là m'pa bon menti le fait chaud tout bon vrai même colimba kola avec entrepreta what I believe that et moi mes faute moi mais on est chat là mais moi même m'a cola ensemble avec moi mais entrepreta pas dans ces cola avec chalet ouais m'a souffri est-ce que comprendre et bien ou même qui Brooklyn ou même qui Elizabeth Springfield Orange ou capable kounia même essayer rentrer en contact direct ensemble avec responsable pour dire oui ou présent dans numéro ça qui c'est 201 ou même qui Everton 201 370 24 57. Yo démoli, yo tué président. Et puis par la suite pour yo gen stikal et paix d'esprit paywa, stabilité paywa ki yo besoin pendant yo durée parce que yo même pas besoin stabilité en permanence, yo relé yo force multinationale vini. Après ça yo même encore, yo va faire même peuple ça relé à bas question bagay force multinationale pour voyer l'aller. Là fin voyer l'aller, yo va faire en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, yo vendre zam 5 ans pour tout le monde. Et puis après ça, yo même encore pas besoin, on groupe blanc vini pour trouver bandi qui te vendre zam nan pour capable toujours exister eux même pour ka toujours pourri pays a. Fait nous comprendre réalité que là. C'est ça que même toujours inviter nous tendez. Et intervention jeune capitaine Ibrahim Traoré parce que li gen pile bagay que monsieur dit, c'est exactement ça n'a vivre dans pays d'Haïti. Et son black, son frère africain en dandel parce que par en pile. Tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore quand nous étions à Ber, au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges.
Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Berre, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Voilà. Comment on peut comprendre ces mêmes politiciens criminels, assassins, gangs sales qui mettent Haïti dans ça? Et puis c'est eux-mêmes encore qui font appel avec force pour venir aider eux, comme si nous avons été payés dans ça. Même les gars qui finalement osent, comme si comme si pour la première fois, obligé à admettre que c'est eux-mêmes dans bataille dans ça nous capable les concurrence déloyale là dans bataille pour ça faire business l'argent commerce yo ba payer toutes âmes ça yo met payer ça c'est même eux-mêmes encore cap écrit président William Ruto pour dire comme ça que vina force ta rapide pour nous vina vel rapide pour nous pas attendre encore c'est yo ba âmes dans tout pays là c'est yo prend port l'état yo privatiser yo pour rentrer âmes avec balle pour vendre dans pays. C'est eux-mêmes encore qui besoin force vinn touyer gang pour eux même qui a toujours existé. Faut yo ta morito. C'est un pays qui a fait. Capitaine en parle. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire, ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Mmh. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir. Parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Très bien. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. Mmh. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit
c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Deou, Tinakoff, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités. Et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipés. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit. Parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso bien. Doit faire de notre armée une puissance à craindre. Est-ce que nous comprenons la qualité bravo, la contentement qui a battu des peuples dans Bagouaouna? Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans. Très bien, c'est clair. Parce que ça qui passe. Mais si mettons en situation en place, yo ouais, pour détruire Haïti, yo commence en côté. Yo pose les jalons hein, avec arrivée Jean-Bertrand Aristide. Yo établit le net. Avec décision que vous faites ici pour craser la mer en 1994. Depuis les jalons à pas avancé, mais même qui côté le mène nous en 2024. Tout nèg yo multimillionnaire, payant, a souffri, peuple en souffrance, tout le monde pauvre, tout le monde qui est décapitalisé, et puis c'est groupe volé, criminel assassin seulement gagne comme son système qui établi. Et c'est ça que nous avons combattu dans le pays là, qui n'est pas d'accord, même si décidé de mettre des âmes sur le monde qui n'est pas d'accord. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi. Nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenons à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient, qui était donc pris pour évangile.
Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Wayiya sont les premiers à confirmer cela. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc, de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force? Où était cette force lorsque des milliers de Maliens, de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Où était cette force? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Exactement. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux
parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Ça, c'est dirigeant qui a caractère. Et ma bon, moun qui est capable de faire ça, lire les Guy Philippe. Moun qui est capable de faire ça, lire les Guy Philippe. Et m'a dit justement pour commander Guy Philippe. M'a connu même, nous obligé pour l'autre bagaille. Parce que peuple, route qu'on a pris avec Gary Koné là, si c'est un nègre qui a fait mission bagaille, vous avez besoin qu'on ait mission pour le vivre santé, non? Si c'est un nègre qui a fait mission bagaille, vous avez besoin qu'on ait mission pour le vivre santé. Et puis c'est un nègre qui a professionnel en détruit le monde. Et c'est jeune, il n'y a pas de jeune pour te faire Jovenel Moïse. On a un bagaille qui cause réel tout Jovenel Moïse la Cali. Je ne dis pas que c'est un nègre qui a fait. Mais si c'est un nègre, garantis que Gary Koné prend bien. Parce que vous n'avez jamais vivre en paix. Et pour que ça attaque un mythe à bon attaque déjà. Ou pour que tu prennes la dedans, mettre connaît que ça a été besoin de la lame déjà. Ou pas jamais vivre santé. Si ça ne pas d'accord avec eux, ils même c'est tout pour tout. Et aucun média pas au capé de tout. Ils ont fait toute analyse pour faire tout pour comprendre que ou de quoi t'as fait ou t'es la mort là-dedans et que ou dois accepter la mort. Et qu'on ça média travaille dans le pays d'Haïti. Ils travaillent ou même comme peuple pour montrer que ce n'est pas normal. Pour eux, parce que ou t'as pas un gros dossier, un grand dossier de la nation. Qui est-ce que ça ou pas qu'on est? Des oligarques corrompus, des petits volets, mais qui décident de se yoke l'État dans l'État.